Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est le repiquage des plants de tomates. Alors là, j'ai 6 variétés. J'ai des tomates cerises poire. Je sais pas du tout c'est lesquelles, je sais plus. Et j'ai les tomates cerises rouges, les cocktails, les normales. Celles-ci, je les ai achetées sur le Bon Coin chez des gens qui avaient des surplus de tomates. Et vu que les jaunes, je les avais pas, et ben j'ai préféré trouver des graines que j'avais pas. Enfin, il n'y a que les jaunes que j'avais pas. Et puis là, j'ai acheté deux petits plants de tomates sur le marché et je vais les repiquer. Des seaux de 11 litres. Donc, j'espère que ça va suffire. Je vais remplir mes seaux de terreau. Voilà, je ne vais pas remplir jusqu'au bout, ça servira à rien. Voilà. J'ai pas besoin de les allonger, étant donné que c'est des tomates. Cerises qui sont en seau, donc je vais devoir régulièrement les arroser. Parce qu'en fait, quand on enterre la tige, et ben les plants de tomates vont faire des petites racines. En fait, si vous voyez bien de plus près, on peut voir des petits poils là, vous voyez. Et ça, c'est des débuts de racines. Alors, quand on enterre bien, et ben ça va faire un système racinaire. Mais vu que je suis en seau, j'ai pas besoin d'un gros système racinaire. Je vais seulement devoir bien arroser. Voilà. Alors je les ai mis là parce que tout simplement là, je vais rajouter deux plants de salade à chaque fois que j'ai aussi acheté sur le marché. Voilà. Les salades n'ont pas de gros système racinaire, donc ça va pas gêner les plants de tomates. Je vais continuer et on se retrouve plus tard.